Pour moi, l'éducation, c'est la priorité des priorités. L'éducation, c'est la base de mon engagement en politique. Depuis notre arrivée en 2018, on a augmenté le budget de l'éducation de 50 %. On a augmenté le salaire des enseignants, on a ajouté des milliers de spécialistes, puis on a investi dans la rénovation des écoles. Pendant 15 ans, les gouvernements libéraux ont laissé nos écoles se dégrader à un point tel qu'en 2018, plus de la moitié des écoles du Québec est en mauvais état. Ça n'a pas de bon sens. Des images qui pourraient, en fait, nous montrer à quel point la situation peut nuire à la santé, à la sécurité des élèves, mais aussi des enseignants. Donc, quand on est arrivé au gouvernement, on a plus que doublé les montants pour la rénovation des écoles et on a lancé la construction d'une nouvelle génération d'écoles, des belles écoles. Avec plus de fenêtres, plus de lumière, plus d'espace, plus de bois, on construit des nouvelles écoles qui donnent le goût d'apprendre. Nos jeunes, c'est la plus grande richesse de notre nation. On a le devoir de leur donner tous les outils pour réussir. Ça va les suivre toute leur vie. Puis on fait ça pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Et quand je vois ça, je suis vraiment fier et c'est pour des moments comme ça que je fais de la politique. On se trompe jamais quand on investit dans l'avenir de nos enfants.